Après avoir câblé le convertisseur 200 volts, puis le convertisseur 5 volts, 3 volts, 3, là, on a câblé le microcontrôleur, ici, avec son quartz et son connecteur de programmation et quelques condensateurs de découplage. Et à partir de là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Pour programmer le microcontrôleur, là, ici, par l'intermédiaire de son interface de connexion, dite SWD là, ou JTAG, on peut utiliser des cartes d'évaluation de microcontrôleurs, par exemple celle-ci de chez NXP. Elles sont en général constituées de deux parties, une première partie ici du microcontrôleur qui est à évaluer, et une autre partie ici avec un connecteur USB et un connecteur que l'on peut relier à l'interface de programmation. D'une interface soit Jigger, soit Open SDA, qui fait partie du monde libre et qui peut être réutilisée en la dissociant complètement du micro qu'on veut évaluer. On peut la dissocier et la réutiliser comme outil de programmation à moindre frais, puisqu'une carte comme ça coûte entre 10 et 20 euros. J'utilise une sonde de débuggeur de chez PEMicro, là, du Multilink Universal FX, qui permet de programmer en plus des micros NXP énormément de microcontrôleurs à base de microprocesseurs ARM, dont notamment les Cortex M0. Ça coûte un peu de sous, ça, mais bon, c'est ce que je vais utiliser en préférence, mais il est tout à fait possible d'utiliser ce type de carte, et ça fait exactement la même chose. Pour le cœur du fonctionnement de la carte d'injection, j'ai choisi un microcontrôleur de chez NXP, le KV11Z 128. Il possède un cœur de micro ARM Cortex M0 que l'on retrouve chez de nombreux fabricants. Il est destiné au contrôle des moteurs électriques et devrait être suffisant pour faire toutes les fonctions dont on a besoin pour cette application. Pour avoir une vision un peu plus générale sur ce qu'apporte ce micro, je vous invite à lire l'ouvrage Definitive Guide to ARM Cortex M0 de Joseph Yu, qui balaye toutes les fonctionnalités et le paradigme en fait des cœurs de micro ARM. Une autre documentation tout aussi importante est le détail des fonctionnalités de ce microcontrôleur en particulier, notamment tous ces nombreux périphériques. La définition de ses performances en termes de caractéristiques électriques. Et aussi, bien sûr, le jeu d'instructions et toutes les options du cœur du micro ARM qui va nous permettre de développer en assembleur, en langage machine. Ce qui est remarquable, c'est que ce petit composant électronique d'un centimètre carré, là, qui ressemble en fin de compte à un petit carré noir avec 64 pattes, on est face quand même à une véritable usine à gaz, ne serait-ce que la base de la documentation. Ici, vous voyez par exemple pour la description du cœur du micro, on en est à 113 pages, pour les caractéristiques électriques à 58, pour le guide de la vision générale de comment cela fonctionne, on est à plus de 700 pages. Et à cela vient s'ajouter plus de 1000 pages qui définissent tous les périphériques qui gravitent autour de la solution du KV11. Pour programmer ce microcontrôleur, on va avoir besoin d'un IDE ou un environnement de développement qui va nous permettre de créer tous les codes sources dont on a besoin, les compiler et ensuite les transférer à l'aide d'un débuggeur sur la carte que l'on utilise. Alors, il existe beaucoup de choses, des choses du domaine libre et des choses plus commerciales. Donc, on va plutôt regarder des choses du domaine libre qui se basent surtout sur le compiler GNU dédié à ARM que l'on retrouve sur les sites internet des développeurs de ARM, où l'on peut télécharger gratuitement, et ensuite d'utiliser un IDE qui est en fin de compte un habillage graphique de ce compilateur-là, qui permet d'être beaucoup plus convivial en termes d'exploitation des paramètres à transmettre à cette suite logicielle.
Il en existe des différents. La version ARM Cale, d'où une édition communautaire qui est entièrement gratuite, permet de faire tout le développement. Alors chez eux, il y a le compilateur ARM. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le compilateur GNU. Pour ma part, je vais utiliser quelque chose que j'ai déjà utilisé depuis longtemps, qui est Kinetis Design Studio, qui malheureusement n'est plus maintenu au profit de MCU Expresso, mais qui est une véritable galère à mettre en place pour développer en assembleur, alors qu'avec ce KDS, on peut encore arriver à faire des projets qui vont bien. Je constate amèrement que de moins en moins d'éditeurs d'IDE, d'environnement de développement, font la promotion du développement en assembleur. Ça peut se comprendre vu que les microcontrôleurs deviennent de plus en plus complexes, mais c'est quand même un petit peu navrant de perdre pied avec vraiment les bases de programmation de cette technique qui est très proche en fin de compte du hardware. J'en veux pour preuve lorsque l'on veut créer par exemple un nouveau projet, par exemple celui-ci, je vais appeler test SDK, hop, hop. Cibler notre processeur, enfin un du même genre, un KV10, admettons. Ah, voilà. Donc on vient de créer cet environnement-là. On voit que déjà d'entrée, j'ai un paquet de bibliothèques avec des fonctions de base qui sont déjà configurées dans l'environnement. Un tas de choses qui sont propres au cœur, etc. Au niveau du projet, j'ai bien sûr des définitions de paramètres des sondes de débogage. J'ai des scripts pour faire la liaison avec les différentes parties du logiciel qui vont être créées. J'ai des codes de démarrage et j'ai mon source, par exemple celui-ci qui vient d'être réalisé, qui est en fin de compte une coquille vide de ce qui va se passer. Et lorsque je lance la compilation de cette coquille vide, j'ai déjà tout un tas de choses qui sont précompilées, préassemblées, sans même comprendre quelque part de quoi il en ressort. À tel point que si je veux par exemple afficher la taille mémoire, je vais aller éditer les propriétés du projet. Chercher dans différentes choses une fonction pour afficher quelle taille va prendre cette chose-là. Et on voit que cette coquille vide ne l'est pas vraiment, parce que j'ai déjà 1 kilo-octet de choses de définies en mémoire programme. J'ai 108 octets de RAM utilisés. Pour arriver à un total de 2 kilos de choses avant même d'avoir écrit la première ligne de code, ce qui est quand même surprenant. Et lorsqu'on programme en assembleur, on essaye d'éviter absolument toutes ces bibliothèques de fonctions qui nous éloignent en fait de la maîtrise totale de l'appareil qu'on veut programmer. C'est pour ça que je suis un adepte en fin de compte de la programmation assembleur, c'est qu'elle me permet vraiment de maîtriser de A jusqu'à Z tous les éléments de programmation au plus proche de ce qui se passe au niveau du cœur du microcontrôleur. Néanmoins, quand on maîtrise son outil de développement, on peut arriver à le configurer à ce qu'il ait vraiment une structure minimum cohérente. Puisque là, ces structures minimum, elle est cohérente pour développer en C, mais pas en assembleur. Donc, je vais fermer ce projet. Voilà. Je vais ouvrir un petit projet de test pour illustrer mes propos, où là, on voit qu'il y a très peu de choses par rapport au précédent, où j'ai enlevé en fin de compte tout le superflu. Celui-ci, c'est un fichier qui est généré par le linker. On peut même le supprimer puisqu'il va être régénéré de toute façon. Donc en fait, j'ai très peu de choses. J'ai trois fichiers sources que je me suis amusé à réaliser, mais qui sont en fin de compte vides puisque tout est commenté. C'est simplement pour illustrer ce qu'il va se passer. Un fichier qui est très important aussi dans un environnement de programmation, c'est ce qui va définir
tous les paramètres pour le linker. Le linker, c'est ce qui va permettre, après compilation des différentes sources, hein, par exemple ici on a trois sources qui vont générer des objets, du code binaire. Donc le linker va définir la manière dont vont être ajustés ces éléments de code objet. On va y définir notamment un point d'entrée pour définir quelle fonction on va utiliser au démarrage. On va lui définir sa mémoire, ses tables de vecteurs d'interruption, ses registres spécifiques à la configuration du micro, sa zone de mémoire flash, sa zone de mémoire RAM. On va définir aussi quelle va être la pile qui va permettre de faire des appels à des sous-programmes et à revenir au déroulement du programme initial. On va définir aussi pour chaque section un différent ordre, puisqu'il faut bien mettre la table d'interruption à un endroit clairement défini, de même que pour les octets de programmation du chip. Et ensuite, tout ce qui sera programme, de les mettre en mémoire flash et tout ce qui sera mémoire en mémoire RAM. C'est ce que définit ce fichier de configuration du linker, qui est somme toute assez léger, hein, puisqu'il fait moins de 80 lignes, et encore on pourrait l'essorer pour en avoir facilement un tiers de moins. On va démarrer la programmation en s'occupant déjà de la définition d'un label pour ne plus avoir ce message d'alerte. Donc ça, on va aller dans la routine d'initialisation. On va écrire, enfin je vais décommenter plutôt cette fonction-là, ce label-là, donc uniquement le label, hein. C'est-à-dire que là, dans la mémoire flash, on va lui dire de créer une fonction ayant pour label sumStartup, et on va donner au compilateur une instruction qui va lui permettre d'avoir la taille de cette fonction. Donc là, en compilant, si tout se passe bien, on devrait avoir toujours une coquille vide du fait qu'il n'y a qu'un label de défini pour l'instant. Et on a plus ce message d'alerte du linker qui ne trouvait pas son point d'entrée. On peut commencer par s'occuper de ce qui doit être fait au démarrage de la programmation de ce micro, c'est-à-dire définir la table d'interruption qui va être en fin de compte tous les vecteurs sur lesquels le processeur va se brancher, la mise sous tension, et notamment ce qui va définir la pile, ainsi que les bits de configuration du microcontrôleur. Donc ça, j'ai regroupé ça dans la fonction startup. Alors aujourd'hui, on n'a pas écrit de routine d'interruption pour assumer tous ces vecteurs-là. Donc on va définir une routine d'interruption par défaut, donc qui va être mise toujours en flash, dans la section texte, qu'on va appeler défaut handler, et qui va faire simplement une seule instruction qui va brancher en boucle perpétuellement sur la même instruction. Donc ça va boucler de cette instruction-là à défaut handler. On va aussi donc définir tout ce qui est octet de configuration du chip. Donc ça, c'est le but de cette section-là. Donc ça va être mis dans une zone réservée CFM config, puisque c'est une adresse bien particulière hein, qu'on a définie, je le rappelle ici, c'était FPROM de 400 à 410 en hexa. Et on va ensuite définir tous les vecteurs d'interruption qui vont être placés donc tout au début de la mémoire, conformément à la notice, dont le premier vecteur est l'endroit où se trouve la stack, enfin la pile en RAM, et le deuxième vecteur est le branchement de la première instruction à exécuter dans le programme. Alors tous ces vecteurs, comme on le voit ici, là il y en a près d'une cinquantaine, forment des labels qui ne sont pas définis aujourd'hui, mais on va dire au compilateur, en fin de compte, de donner à exécuter le code qui se trouve dans défaut handler dès lors qu'il aura un appel à ces fonctions-là. C'est un alias en fait. On va donner un alias à tous ces vecteurs-là vers la routine par défaut que l'on a définie ici, qui est défaut handler.
Donc compilons cette chose-là. Et là, on voit qu'effectivement, là, j'ai défini à peu près 212 octets de données. Alors, est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on vient de faire? Eh bien, si on regarde la table de vecteurs, si on regarde ici, là, on est de 97 à pratiquement 49. On a une cinquantaine de vecteurs à 4 octets, ce qui fait 200 octets, plus ici une dizaine de bits de configuration et une instruction ici pour la routine par défaut. Si on veut avoir plus de précision dans la manière dont le linker a réparti ces éléments à l'intérieur de la mémoire, on peut faire appel au fichier map que le linker a généré. Donc on voit bien qu'il a traité les fichiers init, ramdef et startup, qu'il a bien tenu compte de ce qu'on lui a demandé au niveau de la définition de la mémoire, qu'il a bien paramétré la pile qui permet en fin de compte de faire des appels à des sous-programmes et à retourner de là où a eu lieu l'appel en plaçant cette pile d'informations tout au fond de la mémoire RAM, c'est-à-dire à son origine plus à la taille de la mémoire, qu'il a bien passé dans la zone d'interruption la table de vecteurs qui fait C0 hexadécimal en taille, donc C0 hexadécimal. C0, hop, ça fait 192 en décimale, donc 192 octets de long. Que dans cette zone CFM Protect, il a bien mis les octets de configuration. Il y en avait 1-0 au total, hein, donc c'est pas une dizaine, mais plutôt une seizaine, puisque 1-0 en hexa, ça fait 16 en décimale. Au niveau de la zone mémoire, il a bien collé un label à l'adresse 410 là, mais il y a attribué 0 octet puisqu'il n'y a aucun code dessus. Par contre, juste derrière, il a placé la routine d'interruption par défaut en 410 du coup et qui fait deux instructions de long. Et que malgré tout, il a utilisé deux octets supplémentaires pour, en fin de compte, avoir une occupation de mots de 32 bits à l'intérieur de la mémoire. Et tout cela nous mène donc, en fin de compte, à cette somme de 212 octets que l'on pourrait en faire l'addition. Est-ce qu'on s'amuse à le faire? Donc, on avait dit ces 10 octets-là, plus ces 0 octets. Plus donc là il nous manque quoi? Il nous manque ces deux octets là plus les deux autres octets, ce qui fait bien 212 octets occupés. À ce point, le microcontrôleur est correctement configuré, donc on va pouvoir commencer à écrire du programme. Donc on va par exemple définir la mémoire RAM, on va créer une variable temp, un mot avec la valeur 0. Donc ça va être mis cette fois-ci en RAM, donc la section data, on l'appelle temp, on va lui demander de s'aligner sur des mots de 32 bits. Ensuite, au niveau de la fonction, là où ça va se brancher pour la première exécution du programme après un reset, on va faire notre programme. Alors, le programme, ça consiste à quoi sur un micro de ce type-là? Déjà, au niveau du cœur du Cortex M0, du fait qu'on va utiliser un debugger, on va dévalider le watchdog. Le watchdog, c'est un système qui permet d'incrémenter un compteur, et dès que ce compteur dépasse une certaine valeur, ça va déclencher soit une interruption, soit un reset du micro. Donc l'idée, c'est que tant que le fonctionnement normal du programme ne remet pas à zéro ce compteur-là, si le cœur du micro perd les pédales, ce périphérique-là va continuer à incrémenter ce compteur et va faire un reset pour remettre tout en ordre. Donc ça, on va le dévalider puisqu'on ne va pas le gérer pour l'instant. Et comme par défaut, il est activé, on est obligé de mettre ce code-là avec
un système bien particulier où il faut en fin de compte avoir les clés pour le dévalider. Donc ça se résume à écrire des valeurs bien spécifiques, là c'est 5 de 0 en hexa à cette adresse-là, et ensuite des 9 de 8 à cette adresse-là, pour pouvoir dévalider ce watchdog. Ensuite, on peut se satisfaire de la clock système par défaut. Donc, par défaut, on va avoir le cœur du micro qui va être cadencé à pratiquement 21 MHz avec des cycles de 47 nanosecondes, 48 nanosecondes. Donc pour l'instant, on ne va pas utiliser le quartz. Ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de, en fin de compte, d'activer les périphériques dont on a besoin. Donc, dans un registre spécifique de contrôle, je vais lui demander d'alimenter tous les ports d'entrée-sortie, puisqu'on va utiliser un port d'entrée-sortie. Donc là, je vais lui demander de valider tous les ports d'entrée-sortie. Je vais aussi faire une petite routine plutôt que d'avoir à chaque fois une instruction qui va me charger l'adresse du registre que je veux configurer et ensuite d'écrire la valeur du registre, d'avoir en fin de compte, bah, comme il y a là au-dessus, hein, c'est-à-dire un triplet de fonctions. Bah, je vais simplement définir une plage où je vais définir les mots que je veux configurer, où je vais boucler à chaque fois en prenant deux registres, de les stocker là où ça va bien, de comparer la fin de la table et de continuer à faire cela tant que je n'arrive pas à la fin de la table. Dans cette table d'initialisation qui est encadrée entre initSet et initEnd, on va retrouver bah, l'initialisation de la petite variable que j'ai en RAM, là, qui ne me sert pas, mais c'est que pour l'exemple. Ce qui va être par contre intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce registre de configuration du micro qui est bien spécifique. Donc on recherche ce port-là. Voilà, on s'aperçoit qu'il est à l'adresse 4004B04. Hein. Donc on est bien ici en 4004B004. Et que la définition générique de ce port 1 pour le port C, on va la retrouver sur pour tous les autres ports puisque c'est le même type de registre de configuration. Donc on va trouver en fin de compte la définition de chaque bit de ce mot. Donc d'où l'intérêt aussi d'être en assembleur puisque là on sait exactement à quoi correspond le bit. Et dans tous ces champs-là, bah, à quoi cela correspond? Alors, il y a différentes choses, hein. Si on commence au début, bah, il y en a qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Ça, c'est un drapeau pour dire qu'il y a une interruption. Ça, c'est pour définir quel type d'interruption on veut sur ce port-là. Celle-ci qui est intéressante pour nous, puisque ce qui va nous permettre, en inscrivant 1 dans ce champ-là, d'utiliser la fonction GPIO parmi toutes celles qui peuvent être assignées à cette broche, à cette patte bien spécifique. Comme ça va être une sortie, on peut se poser la question si on met des transistors renforcés ou pas. Bon, c'est pas le propos, parce que là aujourd'hui on n'aura qu'une sonde d'oscilloscope dessus. Si c'était une entrée, est-ce qu'on veut mettre dessus un filtre passif? Si c'est une sortie, est-ce qu'on veut utiliser une pente qui va passer de 0 à 1 ou de 1 à 0, c'est-à-dire de 0 à 3,3 V ou de 3,3 V à 0, rapide ou pas? Nous, on va demander d'être rapide puisqu'on va essayer de faire fonctionner ce port-là au maximum de ses possibilités, ce qui ne favorise pas la consommation. Le fait de mettre ça, de mettre un slew rate actif, ça permet de limiter la commutation, enfin la consommation liée à la commutation des ports. Si on veut mettre ensuite pour des entrées, parce que ces deux bits-là concernent la configuration en entrée, si on veut mettre des résistances sur l'entrée qui va tirer par défaut électriquement vers la masse ou vers le plus de l'alimentation, ce qu'on appelle des pull-up ou des pull-down. Donc nous, en fin de compte, notre registre, bah, on va lui donner des valeurs. Bon, tout ça, c'est des valeurs qui sont en read-only, donc on n'a pas à les paramétrer. Donc on va laisser les valeurs par défaut. Donc ça va être 0 ici, 0, 0, 0, 0. Mux, on a dit que c'était 1 et tout le reste à 0. Donc il va falloir mettre en hexadécimal 1, 0, 0. D'où le propos ici de la valeur ici qui est de 1, 0, 0 pour
mettre en fin de compte la fonctionnalité de cette broche spécifique, de la mettre en GPIO. L'autre registre intéressant ici, donc là il y en a une paire, c'est-à-dire ces ports C de 32 bits, dont c'est uniquement le bit 1 qui nous intéresse. Hein. Donc le bit 1 en hexadécimal, si je ressors ma calculette, hop, donc en binaire, si je veux le bit 1, donc le bit 0 est ici, le bit 1 est là, c'est la valeur hexadécimale 2. Donc ce port-là, est-ce que je veux qu'il soit désactivé à 0 volts ou est-ce que je veux qu'il soit activé à 3 volts 3? Donc on va dire, bon, par défaut il est à 0 volts, mais là on va l'écrire comme ça, formellement. Donc on va lui dire la valeur à 0. S'il y avait d'autres ports à configurer, on aurait très bien pu utiliser ce registre-là. Troisième registre qui est intéressant, c'est celui-ci, parce que c'est le registre qui définit la direction d'un port. Est-ce qu'il est en entrée ou est-ce qu'il est en sortie? Par défaut, ils sont tous en entrée. Hein. Ça évite d'avoir des problèmes de court-circuit lors de la mise sous tension. Donc, comme ils sont tous en entrée, il faut bien lui spécifier que ce port 1, donc qui est codé 2 en hexadécimal, soit une sortie. C'est le propos de cette valeur ici. Donc ensuite, lorsqu'on aura programmé l'entièreté de ce port-là, hein, qui est faite par cette boucle d'initialisation, qui aujourd'hui a que quelques valeurs, mais qui, lorsqu'on aura configuré tous les périphériques, il y aura des centaines de valeurs à y mettre. On va donc écrire sur ce port 1. Dans un registre qui, contrairement au port set et au port clear, est une fonction toggle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va activer ce port-là par le biais de ce registre, il va changer d'état. S'il était à 0, il va passer à 1. S'il était à 1, il va passer à 0. Donc en sortie, on aura soit 0, soit 3 volts 3 à chaque fois qu'on écrira dans ce registre-là. Et cette première instruction, bah, c'est donc d'écrire la valeur du bit 1 dans ce registre-là. Donc là, on va en fin de compte passer de 0 à 3 volts 3 une fois exécuté cette instruction, ensuite de 3 volts 3 à 0 et ainsi de suite. Donc ça 10 fois. Et quand on arrive à la fin, on va reboucler au début et ça de manière perpétuelle. Donc compilons. Voilà, c'est fait. Donc on voit qu'on a mis un peu de RAM. Alors il doit y avoir de l'alignement, parce que normalement, comme on n'a que le registre temp, ça devrait faire que 4 octets, mais il doit peut-être rajouter des octets tampons, donc ça occupe un peu plus de RAM. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, comme il vient de générer le fichier de code ici, que l'on retrouve dans l'arborescence, dans le projet, dans Debug, dans le fichier de code ici. Tout ce code binaire, on va l'injecter dans le microcontrôleur par l'intermédiaire d'une sonde de debug. Alors, il peut y en exister plusieurs sur le marché, hein. Bon, moi, j'utilise une sonde PE micro. Donc, on lui spécifie dans tous ses paramètres de sonde que par rapport à ce projet-là, on va utiliser le fichier binaire qui est défini ici, que pour tout un tas d'autres paramètres, on va utiliser la configuration par défaut. Au niveau du débuggeur, on va utiliser le multilink universal FX là, qu'on va bien avoir comme cible le micro KV11Z128, qu'on va utiliser le mode SWD, il pourrait y avoir une sonde JTAG hein, par exemple. Souvent les sondes de débuggeur, elles ont une relation client-serveur, donc il y a une communication qui se fait entre les deux, qui de par l'IDE devient transparente. Mais n'empêche qu'il y a tout un tas de paramètres à passer entre le client et le serveur. Pour démarrer, on va charger les symboles pour le débuggeur, pour qu'il puisse retrouver ses petits, et le fichier binaire qui va bien, qu'on va démarrer directement au reset, et qu'on ne mettra pas de point d'arrêt à la fonction main, puisque chez nous, la fonction main n'existe pas. Donc on peut lancer à partir de là le debug. Donc on va changer de visualisation de contexte, puisqu'on va rentrer dans un contexte de débuggage. Et là, on a l'impression que rien ne se passe, si ce n'est qu'on a la possibilité d'arrêter le programme ou de le suspendre au niveau des boutons de contrôle du débuggeur.
Par contre, au niveau de la carte, au niveau de l'oscilloscope, on peut observer ce qui se passe. Donc en injectant le code dans la sonde d'émulation, là, dans la sonde de débogage là, qui est raccordée au PC, qui est ici, on vient injecter directement dans le microcontrôleur et on voit au niveau de l'oscilloscope bah, le port qui s'active. Si je stoppe la trace, bah, je vois en fin de compte les instructions de changement d'état du port. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le temps nécessaire à faire le saut, la boucle vers le début, et ainsi de suite. Et si on regarde avec une plus grande résolution au niveau de la base de temps, hop, ici, on s'aperçoit en fin de compte que au niveau du temps, voilà, à peu près, on est à 47 nanosecondes, 20 MHz, et qui correspond bien à la fréquence du cœur du micro par défaut, tel qu'on l'avait vu dans les datasheets. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec une sonde de débogage, c'est qu'à tout moment, on peut spécifier des points d'arrêt, des breakpoints. On peut, par exemple, ici, stopper le fonctionnement du microcontrôleur. Donc, on voit qu'il s'est arrêté ici sur une instruction. On peut avoir la valeur des différents registres. Donc, pour mémoire, R1 doit avoir un 0, donc 2 en hexadécimal. Et R0 doit avoir F8 0008C. Donc on voit R0 est bien F8 0008C. R1 est bien égal à 2, ce qui correspond au binaire bah, au port 1. Et les autres registres ne sont pas utilisés. On peut faire fonctionner instruction par instruction. Et on visualise en temps réel ici bah, quelles sont les modifications apportées au registre. La chose intéressante aussi, c'est qu'on peut voir le code désassemblé. Donc là, on voit ici en 444 l'adresse mémoire. Hein. D'ailleurs, si on regarde ici le pointeur ordinal, on voit bien qu'il est en 444. Donc on voit le désassemblage, la valeur de l'opcode, là, du mnémonique, ce que, en fin de compte, le GNU ARM Assembler transforme. Donc il transforme STR R1, R0 en code binaire, d'où l'appellation aussi de langage machine. Et on voit ici le code réellement créé, où on voit que c'est bien une fonction store R1 avec R0 et avec un offset de 0. C'est l'instruction générique ARM pour définir cette instruction ici au niveau du code. Donc si on continue à faire progresser le programme, donc on voit ici que ça s'exécute jusqu'à revenir sur boucle et ainsi de suite. Donc voilà la fin de la présentation de tout l'univers du développeur en langage à assembleur, toujours à destination de ce calculateur d'injection là pour ce moteur diesel. À savoir que si ce micro-là s'avère peut-être pas assez puissant ou comment dirais-je, difficile d'approvisionnement ou différentes choses, bon, c'est assez simple de l'enlever et de mettre un autre micro à la place. Il faudra refaire des circuits imprimés et recâbler tout le circuit. Mais bon, c'est un premier jet, on va dire. C'est un prototype. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo où on va voir probablement bah, les premiers périphériques de mesure, puisque là on voit qu'il y a énormément d'entrées analogiques. Donc on va voir comment on peut optimiser en fin de compte la mesure de tous ces éléments qui sont dans le schéma ici en fin de compte, qui sont toutes ces entrées analogiques là qui correspondent au connecteur du calculateur d'injection du moteur. Voilà, à la prochaine!